Bonjour et bienvenue un peu plus de War Tales. On va encore faire un très gros combat. On va combattre la garde, donc on est à Arthès. Je sais plus exactement quelle spécialité ils ont, mais on va voir ça. Donc on va combattre la garde en extrême. Ça va être un peu long, mais c'est fun. Donc les troupes gagnent plus de butin après un combat. Donc on va activer le respect de l'adversaire. Et on va voir ce qu'on va un peu récupérer. Donc la garde, elle est là. Anything to declare? Ok, très bien. Donc ils sont 15, ils sont niveau 15 aussi. J'en avais combattu des niveaux 20, mais encore une fois c'était avant le patch. Donc maintenant en gros à chaque fois ils sont, j'en avais déjà parlé la dernière fois, on avait combattu qui la dernière fois? Les bandits. Et en fait ils sont plus nombreux maintenant, mais ils sont apparemment tout le temps niveau 15 maximum pour ma difficulté. Donc ouais, c'est un peu bête dans un sens que j'aimais bien combattre des niveaux 20, mais bon c'est pas grave. Dans tous les cas... donc on a la patrouille de la garde. Alors il y a toujours ce système où vous avez la voix en fait. Je sais plus laquelle, quel niveau donne ça. Mais en gros vous avez une chance de prendre les gens en embuscade. Je sais plus exactement qui donne ça. Mais bon bref, vous avez une chance de prendre les gens en embuscade. Et normalement, avec la garde, ça fonctionne comme ça. En gros, vous avez un pourcentage, genre, je sais pas, 10 ou 5%. Et ça, c'est pour n'importe quelle rencontre, en fait. N'importe quel combat. Et voilà. Et normalement, vous pouvez faire ça avec la garde. C'est un peu de l'exploitation dans un sens, mais j'ai envie de dire dans un autre. Ça peut arriver, en fait, dans n'importe quel combat, que ça soit niveau histoire ou juste des missions et tout ça. Donc, on peut tout le temps les prendre en embuscade. Donc, c'est vrai que la garde, on peut faire ça. On peut, rentrer et sortir de l'option. Donc, voilà, ouais, on va faire ça. Mais voilà, c'est une chose à savoir. Donc ouais, gardez ça en tête si vous voulez combattre la garde. Pourquoi combattre la garde? À quoi ça sert? Bah, c'est surtout, en fait, pour récupérer, on va dire, de l'équipement. C'est surtout pour récupérer de l'équipement. Et récupérer potentiellement des gens en fait niveau 15 ou alors enfin plus haut niveau que le 12, que le maximum. Donc ouais, et ils ont quand même du bon équipement. J'en ai pas beaucoup, donc ça ce sont, donc ouais, ça c'est directement la garde. Donc ça, j'ai pas beaucoup d'équipement en fait de j'ai qu'une armure lourde je crois, j'ai pas de casque lourd parce qu'en fait ça irait bien. Ils ont un bouclier à chaque fois, c'est après avoir attaqué, inflige 20% de fort dégâts aux ennemis adjacents. Ça peut être pas mal aussi. Je sais pas si on peut le récupérer ce bouclier, je l'ai jamais eu. Ah, la garde est dangereuse parce qu'ils ont tous inspiration du chef. Ah, ils ont le mouvement en fait qui est augmenté. Donc ouais, ça peut être très très dangereux en fait. Et là, il n'y a pas de... Donc on a des renforts, je vais voir, on a combien? On a 3 fois renforts, ok, ça marche. Ouais, ça va être... Honnêtement, ça va être difficile. Ça va être difficile. Pourquoi? Même si on les a pris à revers, déjà ils sont pas vraiment bien positionnés. Ah ouais, non, ça va être compliqué là. Il n'y a pas d'endroit vraiment pour se protéger. Genre, regardez, vous voyez le terrain. Le terrain, il est juste plat, quoi. Il est juste plat. Donc ouais, ça va être chaud. On va essayer de tous les mettre. D'un côté. Alors, on va voir si on peut faire ça. Ça m'étonnerait qu'on ait assez de place, en fait. Ah, j'avoue que c'est pas le top. Donc là, on est bon. Il y a toi, il y a le loup. Normalement on est bon. Normalement c'est un mur contre un autre mur là. Il ouais, n'y a que du rouge. Ah, on a oublié ça. Ok, très bien. Ouais, bah du coup c'est pas vraiment le meilleur endroit pour combattre. Hein. Ne combattez pas dans les plaines parce que là ça va être vraiment la galère. Ça va être vraiment vraiment la galère. Il y en a un qui est en plein milieu, mais c'est pas grave. Bah nous on va faire un cercle, parce qu'on va, avoir des renforts en fait qui vont arriver un peu de droite à gauche. Donc on va faire un cercle, on va rester là et on va essayer de tenir, quoi, tout simplement. Ouais, on va essayer de tenir tout simplement. Ça va, ils font tous là, ils vont tous dans la même direction. Alors, il y a celui du centre, il faudra le tuer. On a un ours, on va mettre un ours ici.
Ouais, c'est chaud, ça va être chaud. C'est embêtant parce qu'il y a lui en fait qui nous bloque, du coup je peux pas vraiment mettre, bien mettre mes gens. Course comme ça. Ouais, on va pas être aidé, hein. On va devoir se débrouiller. Ok. Alors, qui joue en premier? Évidemment, c'est un mec qui peut se déplacer facilement. Après, c'est loin. Ah, on pourrait peut-être à la limite mettre l'ours en plein milieu. Comme ça, on le place directement. Il fait un mur. Ça pourrait être pas mal. Ouais, là, il y a un peu un problème de... de placement. Après, ils ont pas de... ils ont pas de poison et tout ça. Mais ils vont très loin, en fait. Ils ont tous le mouvement augmenté. Donc, ça va être la galère. Honnêtement, ça va être la galère. Je pense que ça va être le pire combat qu'on va avoir, là. Ouais, ça va être un des pires combats, là. On l'a mis où, Laura? Laura, on l'a mis là. Ok, très bien. Ok, très bien. Fais voir un peu... ok, c'est pas mal. Ok. Ouais, non, là, il va falloir... là, vous avez intérêt d'avoir plusieurs tanks, hein. Plusieurs tanks droite à gauche, parce que... entre les... ça va être difficile de faire des murs, de faire des couloirs de, pour les tuer. Très 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 difficile. Il y a lui qui nous fait toujours chier là. Alors un truc qu'on peut faire, qu'on peut faire maintenant, ce serait pas mal peut-être. Ce serait peut-être les limiter en fait en mouvement. Ou alors ce côté là. Faut qu'on tue le chef assez vite. Si on peut. Le chef, il a pas vulnérabilité, c'est cool, c'est pas tombé sur lui. Attends, 5 mètres, il te reste combien? 17 mètres. Il y a lui qui est en plein milieu, lui. Va falloir se le faire à un moment. Après, on peut mettre du feu un peu partout, mais je préfère... ah putain, ça y est, il joue. Fait chier. Ça y est, il joue. Je pensais qu'il allait jouer un peu plus tard. Migek, tu peux le tanker. On va changer d'arme, on va prendre ça. Ouais, c'était pas fameux. Bon, on l'a tué. On l'a tué. Comme c'est chiant.
Comme c'est chiant le fait qu'il puisse bouger facilement comme ça. Alors, toi, tu vas nous faire un petit carnage, en théorie. Oh. Ouais, pourquoi il... Attendez, pourquoi il contre comme ça? Alors, critique, cette unité gagne riposte. Après avoir attaqué, inflige des dégâts adjacents. Chaque fois que cette unité reçoit un coup critique en mêlée, elle effectue une attaque d'opportunité. Chaque fois que cette unité effectue une attaque d'opportunité, elle gagne protection. Ok. Ça marche. Bon, ça va. Le... Après, c'est parce que j'étais contre lui aussi. Hein. Donc, alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. Okay. Après... Ils sont nombreux, du coup, oui, on peut techniquement un peu les contrer. Je voulais le provoquer, mais en fait, ça va. Pas la peine, vraiment. Ça va. Ok, très bien. On va essayer de faire encore des AOE pour essayer d'en tuer le plus possible. On peut. Alors on va faire. Bien. On va en tuer quelques-uns. Faut que je mette le l'ours en plein milieu. Parce que eux ils ont pas de poison et tout, donc encore une fois c'est pas vraiment le danger pour les animaux. Ouais, il va pouvoir aller partout. Ou alors on le bloque là. On peut d'abord tuer lui. Je vais voir un peu. Ah, on peut se mettre là. Ça le... Je pense qu'il va aller sur l'ours. Il est à côté. J'espère. Ouais, ça va. Ça va, on a bloqué leurs deux tanks. C'est bien. Ah là, on va payer beaucoup plus cher hein, en réparation. Ah, c'est sûr. Là, c'est nettement sur... Alors, je vais voir. Voilà. Ça, c'est bien. Eh bien, on a tué leur chef, ils ont plus l'inspiration. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, lui ça va, on peut l'ignorer. On va tirer.
C'est bien parce qu'on on a un petit muret à la limite, on peut se mettre derrière. Vu que leur déplacement est pas top maintenant, ça va. Mais il y a les renforts hein, qui vont venir, hein. Ça c'est certain, ça par contre. On va essayer de tirer un peu là. Il me reste quoi, 19 mètres. Ah bah tiens. Attends. On va essayer de ralentir les trois tanks. Voilà. Ça va, ça se passe bien. Ils ont beaucoup de tanks à chaque fois dans leur équipe, la garde. Énormément de tanks. Ici, j'aime pas trop ce qu'on a ici, là. Je vais voir ce que tu peux t'en occuper. Voilà. Ah, vous voyez, ça les ralentit. C'est bien. On a encore un côté gauche qui a pas joué. Alors, toi, tu peux... Ça fait mal. Joli. On va se mettre ici parce que c'est vrai qu'on a Tarus en fait qui est super mal placé. Ah, Tarus est méga mal placé. Là, ça va faire une sorte de tank supplémentaire. Très bien. Ok, là on a une petite facilité. On a 4 personnes d'un coup. Ça c'est très bien. Alors, on va... défenseur, on pourrait... On va pas aller le tuer parce que ça va coûter trop de bravoure pour faire agir Tarus. Alors, après on va faire... Ah, toi tu peux passer maintenant. Ah, peut-être qu'il va être stoppé. Yes! Très bien. 840 x 2. J'avais l'intention qu'en fait qu'il se fasse stopper par son collègue. Du coup, il subit deux fois l'attaque en fait. Deux fois les dégâts. Ah, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ça, c'est bien ça. Voilà, deux points. Nickel. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Ouais, non. Ouais, super mal. Ok, il n'y a pas de problème. On a des assassins. En théorie, ils ne devraient pas trop faire mal, mais... J'avoue que je serais pas contre aller lui botter le cul. En fait. Mais bon, là, on a deux lanciers, c'est des phalanges. J'aime pas cette équipe là, l'équipe de gauche là. À droite ça va, on gère, on les a un peu fait, on leur a fait très mal et tout ça. L'équipe de gauche elle est dangereuse encore, elle est très dangereuse. Donc je suis pas fan. Très bien.
critique automatique parce que... Parce qu'on a plus de force. Joli, joli, joli. Ok, très bien. Pour le moment, les chiens, les loups et tout ça, là, ils sont surtout là pour garder l'équipe. Je les utilise souvent maintenant en backup, genre pour l'équipe. Quand on a des gros combats comme ça, des très longs combats, ça va être pour... ça va être pour protéger, en fait. Très bien. Ça va surtout être protéger l'arrière, en fait. Genre les archers et tout ça. On peut balancer un chien, en fait, sur une unité. Pour bloquer l'unité en question. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est un peu loin. Personne qui est vraiment engagé en fait. À la 24, on est à combien? On est à 34. Très bien. On peut techniquement tuer avec la faucille. J'ai envie de t'acheter. Voilà, balancer sur lui. Voilà. Y a plus de... C'est plus intéressant en fait de faire ça. On pourrait tuer avec le Kourou, mais ce serait utiliser des points pour pas grand chose. Jamais sous-estimer les objets de lancer comme ça. Jamais, jamais, jamais. Alors, on va bloquer les lanciers. Wanderad, il fait pas trop mal, mais ça va. Il va tanker en fait. Ou elle, je m'en rappelle plus. C'est vrai qu'il est un peu loin. Ah mais lui il peut se balader. Ouais il peut se balader donc c'est pas... Ah oh yes. Oh, oh oui ça va faire mal. J'espère qu'on va pas toucher mes nets. Alors fais voir. Ok là on a mes nets dans l'eau. Ok donc pas toucher mes nets. Ah putain, on peut quasiment pas bouger en plus. Alors attends, on va faire ça. Si je... Ok, on peut se mettre là et on touchera que des ennemis. Par contre, on est un peu proche en fait, c'est un peu le problème. Joli, 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 joli. Très joli. À désengager, c'est pas très important. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser le chien pour aller attaquer, mais j'ai pas, comme j'ai dit, j'ai envie de garder les chiens en arrière. Bah, il me reste que les chiens en fait. Là on aurait pu aller le mordre, celui-là de gauche, là, celui-là qui est engagé, lui. Et sûrement lui détruire l'armure. Bon, bah voilà. Lui détruire l'armure et le faire saigner en fait. Parce que les loups font saigner quand ils tapent dans la chair. Voilà, on fait un mur. Il y a le sanglier aussi. Le sanglier il est pas là vraiment là pour faire des dégâts. Mais le sanglier il est résistant, celui-là. Il est niveau 20. Et il fait des bons... Et il a beaucoup d'HP en fait. Donc du coup il est résistant. Donc il peut tanker, il peut sauver quelqu'un. Toi tu vas rester là aussi. Ça, mes tanks ils prennent pas très cher en fait. Ils ont tous comme... Ils sont extrêmement bien équipés, 80% et tout ça. Ouais, on est tout encerclé. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Ouais, on est vraiment, vraiment encerclé là par contre. Ah mon dieu. Ah c'est vraiment un mauvais, mauvais lieu pour combattre. Oh.
extrêmement mauvais lieu. Toi ça va, toi t'es un danger, toi t'es moins un danger. Celui-là c'est un danger par contre. Donc on s'en occupe. Très bien. Maintenant on va voir si on peut pas faire lui. Oh bah parfait. Très bien. Tu restes au centre, nickel. C'est pour ça que là j'ai mis ce bouclier là, parce que j'avais pas en fait des écus comme ça, des écus d'Alazar. J'en avais pas d'autres. Enfin si, mais très très bas niveau. Mais vous voyez que là en fait on aurait pu riposter, je crois techniquement. Ok, là on en a deux. Toi tu peux défoncer toi, toi tu peux tuer. Tu tapes deux fois en fait à chaque fois. Okay. On va se mettre là. Ah là ça devient galère là. Là il faut vraiment assez anticiper un peu en avance. Mais c'est très dur d'anticiper en avance. Oh, putain on prend cher. Ok ça va. Alors est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut en taper plusieurs? Je vais voir si je me mets là. Ah non, du coup celui-là on peut pas voir. Là on peut toucher les deux là? Lui il m'embête. On va le bloquer. Je sais pas où il va aller exactement. Très bien. Ça, ça va. Ça, ça va. Je pense que ça passe. Ok, nickel. Très bien. Le saignement nous fait mal, hein. Le saignement nous fait très très mal. Donc ça, ça pose un problème. Ça pose un petit problème. Il y a ces trois là qui sont embêtants. Ça va pas faire grand chose en fait. Là il n'y a rien qui a fonctionné. Faire ça. Très bien. On va... Alors, on n'a pas besoin des points supplémentaires pour le moment. Très bien. On reprend le dessus. Petit à petit.
va se mettre à côté pour générer un point de bravoure. Il y a ça, il faut s'en occuper de ça. Je sais pas comment, mais il va falloir le faire. Il va falloir en bloquer en fait plusieurs, sinon ça va être la galère. On va devoir... il est où l'autre ours? Il est où mon ours? Je suis aveugle, j'en ai un là. Il est là. Ah putain, il est tout bloqué, ok. Ça marche. Toi... Toi on pourrait limite taper, se désengager. Oh, bon bah on fait ça, ça marche aussi. Alors c'est pas vraiment ce que j'espérais. Parce qu'en fait il a pas eu le boost. Ah lui il va taper plusieurs cibles à la fois. Ouais. Il a pas eu le... Il était engagé du coup il a eu riposte en fait. Il a pas eu le boost de déplacement. Joli, joli. Ça va, lui il va mourir. Ouais, faut toujours s'occuper de tout ça là. C'est un peu la galère. On met de la boue partout. Ok, ralentissement, okay, ça marche. Regarde, par exemple, là... Voilà, il peut plus vraiment trop bouger, ce qui est bien. Ça va être dangereux. Il est pas mort, ce con. Toi, tu peux pas faire... Ah si, tu peux faire quand même grand chose. Ouh, tu vas te mettre en plein milieu, toi. Ok, d'accord. On va éviter ça. Non, je peux toucher les deux. Ouais, je peux toucher. Ok, c'est pas mal ça. Faire attention à Tarus, il est un peu... Ah tiens, c'est marrant. S'il se met à côté de Théo, parce que Théo elle a le casque qui permet de lui mettre fier, et il balance sa bombe, bah, il a 101 de critique en fait. Donc du coup il va faire critique en AOE, du coup il va gagner plein de points de bravoure. On pourrait faire ça aussi. Alors toi... Il faudra engager celui-là. Et... On peut peut-être le tuer. Ok. C'était pas vraiment ça mon plan. Il a beaucoup de protection tout ça, donc on va faire ça. Fou. Encore heureux que les critiques ils sont bien sortis. Hein. Ok, nickel, on récupère pas mal de points. Ça fait
mal. J'ai l'impression que les... Très bien confus. Les renforts en fait viennent par l'arrière et pas par la... Plus par l'avant en fait, plus par là. Très bien. Vive à Lazare, comme d'hab. Donc on va devoir mettre plus de gens en fait en arrière. Est-ce que Duan, tu peux genre aller taper quelqu'un et revenir en même temps? Ouais, tu peux peut-être un peu revenir. Très bien. Aou. Ça c'est un problème. Ok, t'as gagné rivalité, c'est bien. Alors lui, il va être chiant. Oh mon dieu, qu'est-ce qui fait mal? Bah après c'est vrai qu'avec tous leurs critiques et tout, ils sont niveau 20 quand même. Hein. Ça va. On va devoir soigner un peu en fait. Soigner les saignements et tout ça. On va peut-être tuer lui, parce que les gros tanks, ils prennent beaucoup de... Voilà, ils prennent beaucoup de temps en fait à être tués, donc c'est un peu la galère. Je vais d'abord taper lui. Peut-être une riposte, mais c'est pas grave, ça passe sur l'armure. Tout simplement parce que comme ça il a saignement et tout ça là. Ok, lui il va être trop lourd. Faudrait le bloquer lui. Mais je sais pas avec qui, je peux pas vraiment. Ah quoique si, je peux envoyer un chien. S'il le one shot, il récupère de la vie, ça qui est intéressant. Oh yes. Voilà, très bien. Ah ils sont en train de fuir. Ah bah non, on va continuer hein, mais... Okay, on les a fait fuir, on a fait fuir la garde, c'est intéressant ça. Ils sont pas mal les loups, les loups de haut niveau en fait deviennent vraiment très intéressants. Ils ont pas mal de vie pour survivre, 800 c'est pas mal. Après le meilleur c'est le sanglier, hein. Mais ils ont 800 c'est pas mal et ils font extrêmement mal du coup. Ils peuvent être très très utiles. Je crois qu'avec l'ours je vais taper lui et puis on va revenir... Très bien. Mais ouais, faut envoyer tout le monde là-bas. Faut envoyer tout le monde là-bas. Les renforts vont venir de ce côté. J'ai remarqué que maintenant, je sais pas si c'est parce que ils ont un peu peaufiné leur truc, mis à jour et tout ça. Mais depuis un petit moment, les renforts en fait viennent toujours de deux côtés, plus grosso modo. Donc c'est un peu plus facile à gérer, on va dire. On va bloquer toi. Il reste 7 personnes. Ouais, ça va. On va essayer de le tuer. Pas mal. C'est pour ça que je garde même le sanglier. Parce que vu que j'ai une équipe avec beaucoup de gens, et j'ai des gens en fait fragiles parce que j'ai beaucoup d'archers et tout ça aussi, et comme j'avais dit la dernière fois, sur les gros combats comme ça en fait, vous avez vraiment besoin de d'avoir beaucoup de gens si vous voulez pas avoir de problème. Par contre, je vais peut-être essayer de tester, de faire le zèle avec elle.
Comme ça, au moins l'éclat sera utilisé. Parce que là, j'ai pas utilisé d'éclat en fait. Ouais, c'est pas mal. Très bien. J'ai utilisé aucun éclat en fait pendant ce tour-là. Et on arrive à la fin. On arrive à la fin du tour. Alors là, on a un mec. Il va lui foutre le feu, mais c'est pas grave, elle est immunisée au feu. Qu'est-ce qu'il reste à jouer, toi? Attends, je peux peut-être faire une brochette. Très bien. Voilà. Nous reste toi. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut limite. Normalement, tu devrais le tuer. On peut limite les tous les massacrer avant que les renforts arrivent. Enfin, presque. J'aurais dû balancer. Ça, c'est un truc que je fais souvent. Là, je l'ai pas fait. Bah voilà, je m'en mords les doigts maintenant. C'est de balancer la faucille avant et après de taper. Là, j'ai fait de la merde. Mais bon, dans un sens, on récupère un point en tuant, donc c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On va même tuer celui-là. Bien. On va se mettre là, c'est bien là. Ah mon dieu, ils arrivent un peu du même côté. Ouais, genre vous voyez qu'il y a plus... il y en a quelques-uns. Ah, c'est la galère. C'est quand même vraiment la galère. Alors, on va utiliser l'aura pour booster tout le monde, parce que sinon on va galérer. On va galérer pour se déplacer en fait. Faire ça, double tir, ça pourrait être pas mal. Voilà, t'as eu ralentissement ou pas? Non. Si, ralentissement, ok, t'as eu... C'est bien, il plein de debuffs, c'est cool. Ok, très bien. On va... vous savez quoi? On va se mettre contre lui. En théorie, on devrait pouvoir contrer et le tuer. Voilà. Il est tellement boosté maintenant, donc ça va. Enfin, ils sont tous très boostés. C'est ça aussi, un truc qui est bien, c'est qu'avant, il n'y avait pas ça, dans un sens, et c'est le fait de récupérer de... Comment ça s'appelle? Genre ça, là. Les braves. Moi, ça n'existait pas quand j'ai fait mes deux let's play, en fait. Et du coup, j'avoue que pour les combats qui durent très longtemps... Putain, j'ai encore des renforts. Qui durent très longtemps, ça aide énormément, en fait. Ça aide à mort. Parce qu'on devient... En gros, ça se traduit par... Plus on perd... De l'armure. Parce que l'armure, on en perd obligé. Hein, c'est pas quelque chose qu'on peut garder. Il n'y a que la vie, en fait, qu'on peut régénérer un peu. Mais plus on devient puissant en tuant, donc c'est un peu, ça compense en fait le problème. Le problème des combats très très longs. Bon, là il faudrait faire un truc. J'ai bien envie de balancer les ours un peu en plein milieu. C'est pour ça que lui je l'ai placé pour bloquer les deux là, comme ça ils peuvent pas bouger. Et je voudrais faire un peu pareil avec ça là. Je préfère honnêtement bloquer lui. Eux, ils sont très très relous. Ces masses, c'est les pires
du jeu, honnêtement. Que ça soit en fin de jeu, en début de jeu et tout ça, c'est des marteaux qui font le tourbillon, là, tout autour. Donc déjà, c'est très très simple pour toucher des cibles. Et ça fait saignement si la personne a encore de l'armure. Donc en gros, vous allez faire quasiment tout le temps du saignement, sauf si vous combattez des animaux. Et c'est une des pires... Bah voilà, très bien, comme ça il bougera pas. C'est un des pires trucs qui existent dans le jeu. Là c'est bien, on a des... Ah j'aurais dû peut-être taper les deux, mais bon, le chien il peut le one-shot, je suis sûr. Elle fait assez mal sur tout ce qui est armure, donc ça va, c'est cool. Voilà, là il fait quasiment rien, il fait vraiment rien, c'est cool. C'est bien, donc... Et ce qui est bien aussi, c'est que chaque nouveau tour, moi j'ai... Je crois que c'est... Urbert qui fait ça. Ou alors c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas Urbert, c'est l'autre, c'est lui. C'est Humérasme qui vient de la fraternité. A chaque fois, genre celui qui a le moins de santé, il a vulnérabilité. Donc c'est vrai que ça aide énormément. Bah, du coup, on va le laisser là. Le chien. Alors, on va peut-être jouer un peu du ghost. Alors, on va tuer les tanks. C'est un peu les plus chiants à tuer. Voilà, très bien. Voilà, là on est bien à chaque fois. Il est vraiment pas pratique, Ghost. Il est vraiment pratique. Très très content de l'avoir. Toi, tu me fais un peu peur, toi. Ok, eux ils bougeront pas. Il y a toi maintenant à gérer. On n'a pas trop de... Tacticien. Très bien, on a eu un crit. Joli. Bon, j'utilise beaucoup moins le feu, j'ai remarqué, les dots et tout ça. C'est surtout le poison qui passe. Le poison, saignement. Mais c'est vrai que tout ce qui est feu maintenant, je l'utilise nettement moins. Y a pas vraiment d'endroit où on peut toucher plusieurs cibles. Honnêtement, j'aurais pu tirer là pour toucher tout le monde. Et ça toucherait l'ours, mais c'est pas vraiment un problème. C'est franchement pas un problème. Ok, très bien. Tarus qui me fait extrêmement peur. Si on pouvait... genre retirer certaines personnes du combat, ce serait tellement bien. Ouh, nickel. Nickel, nickel. On va le mettre vers là, parce que là, ils ont du mal à entrer dans ce périmètre. Donc... Ah, parfait. Parfait, parfait. Alors lui, ça va être un problème. On va devoir le gérer. Voilà. Je sous-estime un peu mes loups à chaque fois.
J'ai remarqué. À chaque fois, je me dis, ah, ils vont pas faire autant de dégâts et tout ça. Mais en fait, si, si, si. Alors, toi, tu vas être galère, toi. Tu vas être galère, mais c'est pour ça que je t'ai fait un peu des dégâts. Oh, merde. Obligé. Ah là là, Migeg, elle est pas... C'est plus ce que c'était, hein, cette arme. Faut vraiment une nouvelle arme, une épée à deux mains, là. Il y a celle-là qui lui bouffe la vie, mais c'est super, super, super dangereux. Et ça, c'est un problème. Surtout dans des gros combats comme ça. Il reste que 5 personnes, ça va. Je peux pas leur tirer dessus à eux, parce que sinon, je vais les faire bouger. Je risque de les déplacer. Ah, meilleur ami, on gagne un peu plus de dégâts. Ah, attendez, est-ce que je peux me mettre en... Oh non. On va pas compliquer les choses. Ah, très bien. J'aurais pu faire beaucoup plus de dégâts sur lui. Mais je me suis dit que c'est bien de lui mettre vulnérabilité en fait. Elle aussi elle prend cher. 32 dégâts. J'ai l'impression que le saignement il a été up ou pas. C'est 20%. Non, ça a toujours été 20, je crois. Maintenant, ça, ça va faire mal par contre. Voilà. Au. Doucement, doucement. C'est juste un loup. C'est juste un loup. Putain. Chien. Ça fait pas aussi mal que ce que je pensais en fait. Alors, on va faire ça. Nickel. Il a pas intimidé. Et pas intimidé, le truc de l'ours, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi des fois ça a l'air de rater. Il était bien contre. Ou alors c'est parce que je l'ai désengagé, ça marche pas, genre quand ils sont engagés peut-être. Les unités et unités adjacentes sont immobiles, je sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. On va finir lui. Par contre, j'ai pas envie que le chien il prenne trop cher non plus. Après, il a le collier hein, qui lui permet de rester en vie. Oh la vache. Saloperie. Très bien. On a encore une vague de renfort et c'est bon. Voilà. Honnêtement, je crois que c'est un peu du gâchis ce que je viens de faire. J'ai gâché le fait qu'il était invulnérable. Ouais, on aurait dû utiliser lui par exemple. Ouais, ça va. Par contre, lui, il va prendre cher.
Il avait déviation, je crois. Du coup, il a quasiment rien pris sur son armure. Mais on peut voir que niveau saignement, il a pris cher. Ok, très bien. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas rentrer. Ok, 9 personnes, ça va. Ça va, on va gérer. On va gérer ça. Je vais jouer le loup, je pense. On va voir si je fais ça. Ok, très bien. J'ai un peu... Ouais, honnêtement, il 94% de crit, ça va. Ça va. Parce qu'ils sont 3, donc du coup, ils ont le bonus. Mais c'est vrai que ça pouvait être dangereux de faire ça. Parce que sinon, il riposte et il peut me tuer le loup. Ok, très bien, très bien, très bien. Ça va, ils sont pas assez nombreux pour qu'on ait des problèmes à les bloquer, en fait. Que je peux en toucher plusieurs là, on va peut-être toucher. Comme ça je récupère un point, parce qu'en fait je veux absolument récupérer un point pour éviter d'en trop en dépenser. Oh c'est beau ça. Très bien, comme ça on fait ça. Et on peut toucher tout le monde en fait, où on veut. Le tank il va aller sur lourd je pense. Il y a des gens qui se plaignent des fois de l'IA en disant que l'IA elle est bête et tout ça. L'IA elle est pas bête, l'IA elle est simple. C'est pas la même chose. L'IA elle est très simple. Mais c'est parce que aussi ils ont pas. Comment dire? Ils ont pas de. Attendez, on va récupérer. Ouais, peu importe en fait. L'IA elle est très simple en fait, parce qu'elle a les attaques de base, elle a pas des habilités en plus en fait, comme... non, des compétences actives. Passives oui, ils en ont, comme tout le monde, avec l'équipement et tout ça. Mais des compétences actives, ils en ont pas, ils en ont quasiment pas. Ils ont que l'attaque principale en fait, qui est... c'est beau ça. Qui est utilisé en fait avec l'arme ou alors les boucliers à la limite. Du coup ça leur fait deux attaques passives. Donc en fait elle est pas bête, c'est juste qu'elle fait avec ce qu'elle a. Mais je me dis, si jamais, vous imaginez, si jamais l'IA elle était extrêmement compétente en fait pour choisir où attaquer. Parce que la plupart du temps quand les ennemis en fait peuvent faire des AOE, ils vont faire des AOE. Non, attendez, on va utiliser qui? On peut utiliser lui. Ah ouais, mais non, on peut pas utiliser lui. Il y en a combien? 3, 1, 2, 3. Il est où le quatrième? Là. Ok, si on peut faire des trucs. On va faire ça. Voilà. Qu'est-ce que j'adore, le fait qu'à chaque tour, il est genre visé. Qu'est-ce que c'est bien, là avec, une fois qu'il passe le tour, là, il y a déviation et habilité. C'est juste magnifique, en fait, ce système-là. C'est juste magnifique. On va se mettre là. On va peut-être pouvoir le tuer. Faut se mettre loin, mais pas trop. Parce que sinon, on peut pas. On va mal viser. On va toucher quelqu'un. Mais ouais, mais imaginons que les mecs sont extrêmement compétents en l'IA. La chose la plus compétente qu'on peut voir, c'est si jamais ils peuvent toucher deux cibles, en fait, ils vont aller sur les deux cibles. Genre, s'ils ont des AOE, ils vont aller sur les deux cibles pour faire des AOE. C'est vraiment que ça, en fait, le plus compétent qu'on peut avoir. De cette IA. Mais si jamais ils étaient là à choisir en fait. Nickel. À choisir genre par exemple d'aller directement, genre de foncer ligne droite tête baissée
sur les ennemis, donc nous par exemple, avec le moins d'HP possible, vous imaginez la catastrophe? Genre ils viennent me tuer mes archers directement, mes rôdeurs directement et tout ça. Vous imaginez comment le jeu deviendrait extrêmement difficile? Dès qu'à chaque fois ils détectent quelqu'un qui est très bas en vie, hop, ils foncent directement dessus. Oh, Ghost il est devenu bourreau, nickel. Ah c'est super ça, c'est super super. Vous imaginez le bordel que ça serait? Ce serait extrêmement difficile, ça deviendrait extrêmement difficile. Après ça deviendrait un gros challenge, hein. Comme j'ai dit, il faudrait avoir des équipes énormes en fait à chaque fois. Alors, c'est tout ce qu'on a récupéré, donc c'est pas mal. Je vois un peu de jaune. Vous avez vu? Tout réparé, 40. Il m'en faut 40. Et soigner 2. Ouais. Après, normalement, on doit pas trop payer cher. Attaque de la riche car... Oh merde, c'est vrai que j'avais oublié ça aussi. Oh, ouais, bon, c'est pas grave. Alors on va devoir payer, c'est pas grave, je payerai 400. Alors. There were two of us working here until Count Lahar. Ok, ça marche. On va faire un peu le compte rendu. Alors est-ce que ça vaut le coup? Bah moi, pour moi, ça vaut le coup à chaque fois, évidemment. Alors, on a eu ça, donc un chapeau à bec du capitaine, donc portée et volonté, c'est très bien. Honnêtement, les trucs légers de la garde qui ont porté, c'est vachement bien. J'ai quasiment tous mes archers en fait qui sont équipés de ça, en garde. Voilà, c'est vraiment bien. Il n'y a que celui-là, j'ai fait en sorte d'aller combattre en fait des gens à... mince, j'ai déjà oublié. Là, Luderne, voilà. Luderne pour avoir un truc... avec des pots et tout ça, parce que comme ça il est un peu spécial. Putain, c'est bien qu'il est, il est bourreau. Maintenant il a crit et dégâts critiques plus 5%, c'est énorme. Vraiment cool, vraiment cool. Après on a eu quoi d'autre? On a eu la masse du saignement. Honnêtement, je crois que j'en ai gardé. Je vais peut-être la garder celle-là aussi, parce qu'elle est quand même vachement intéressante, comme j'ai dit. Elle est très bête, mais elle est très puissante en fait. Visibilité accrue, chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire, effectue une attaque d'opportunité. Ça c'est super intéressant. Pas le casque en lui-même, enfin le... Oui, on va... on sait tous des casques de toute façon. Il y a toujours écrit casque. Chapeau casque. Le casque en lui-même c'est pas intéressant, mais par contre vous pouvez le détruire et récupérer donc la compétence. Et c'est vrai que la compétence peut être bien sur des tanks et tout ce que vous voulez. Si vous voulez des tanks un peu plus offensifs, le fait qu'ils se fassent... engagé, ça fait une riposte, c'est vraiment bien. Là on a quoi? Donc niveau 13, c'est nickel. Donc ça c'est l'armure lourde, donc deux armures lourdes. C'est pas mal, je crois qu'il n'y a que Laura qui en a une. Ouais, il n'y a que Laura qui en a une. Mais bon, l'armure lourde, ça va pas vraiment me sauver la vie. Là on a pareil, encore une armure lourde. Alors on a 3. Ah c'est bête, on n'a pas eu les autres en fait. C'est bête. On a ça, la falchion du défenseur. Si ça fait un critique, vous avez riposte. Ça pourrait être intéressant. Après on a ça, embuscade, si c'est engagé avec un allié, cet allié effectue une attaque d'opportunité. Elle est pas mal cette dague. Elle est pas mal cette dague. Elle est pas mal. Donc en gros là c'est vraiment pour les purs assassins, vous allez dans leur dos quand ils sont engagés et du coup vous tapez et puis après le mec qui est engagé aussi tape. Là on a le bouclier, c'est pas mal, après avoir attaqué inflige 20% dégâts à un ennemi adjacent. Ça m'intéresse ça. Coup de bouclier rapide. Ça m'intéresse, on va tester ça. Après le bleu, on s'en fout. On a eu la masse. Heure d'engagement. Dégâts si la cible est engagée avec une capacité, cette unité gagne riposte. Si la cible est engagée avec cette capacité... Ah, ok. Ouais, c'est pas énorme. Il y a le bouclier qui m'intéresse. À un ennemi adjacent, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre n'importe qui est adjacent. Genre par exemple, si on s'engage avec quelqu'un, genre il y a deux personnes côte à côte et on les touche les deux. Si on tue la première personne, genre on va taper automatiquement sur la personne d'à côté, j'imagine. Si jamais la première personne est morte. Donc en gros, en fait, on tape toujours deux fois avec ça. Ouais, non, si, c'est ça.
En gros, on taperait toujours deux fois. Mais bon, après, les dégâts, ils sont pourris. Mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Toi, t'as quoi? Ouais, mais en fait, sur Amric, c'est un peu inutile. J'ai des gens qui sont un peu mieux. Elle est un peu mieux. Enfin, après, c'est pas des attaques d'opportunité, ça. Je sais pas. Bon, bah, on testera. Je le montrerai au niveau 3 étoiles, là, et on testera. On perd un peu d'armure et tout. Mais... ce truc-là, je vais jamais l'utiliser, en fait. Ces deux points de bravoure, je vais jamais l'utiliser. Je sais pas, en fait. J'en sais rien. Maintenant, j'hésite. Non, je vais jamais utiliser ça. Donc, autant utiliser un... ou un écu de Lazare ou ça. Mais ouais, bon, bah, voilà. On peut détruire pas mal de choses. En tout cas, ce sera tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On essaye de faire un peu des trucs de haut niveau et tout ça, genre un peu spécial. Donc voilà, donc, faites attention ici, faites attention à Arthès. C'est un peu compliqué de combattre dans les champs, surtout les champs en fait. C'est un peu compliqué. Donc ouais, je vais peut-être en faire de temps en temps. Genre Greenmere, je crois que j'en ai très très peu combattu de la guerre de Greenmere. Donc on va peut-être faire ça. Là j'en ai beaucoup combattu à Dromcap. Vertrus, pareil, Liltrens, pareil, je crois que c'est les mêmes. Luderne aussi beaucoup, pour les animaux surtout. Donc ouais. Peut-être de temps en temps, je vais faire des gros combats comme ça, si ça plaît, si les gens aiment bien regarder. En tout cas, regardez ma playlist si jamais vous voulez plus de vidéos sur Wartell. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.